j'ai fait depuis longtemps mon coming out de troubles anxieux. Pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose de honteux qui me renferme, rien de ça. C'est pour ceux qui se sentent comme ça qu'on fait cette campagne-là. Et pour ceux qui n'en souffrent pas, mais qui peuvent être entourés de gens qui en souffrent. Ça aide beaucoup, surtout où est-ce que je me tiens au café, il y a déjà une cinquantaine. Rémi, un type que je respecte, il me dit « Ah, t'es bipolaire comme moi, j'ai des hauts, des bas, des milieux. » Puis on en rit de ça, puis je crois que ça aide pour qu'on nous rende à la société, pas pour qu'on nous fasse comme « Oui, il est bipolaire. Okay. » I've been interviewing people for 12 years, people from all walks of life. And one of the common threads that you see through all of it, whether it be through tragedy or success, are people very often dealing with mental health. Every day, at least one person approaches me and talks to me about Bellette's talk and about how I talked about my own experience dealing with depression as a young athlete. And they tell me how much it meant to them that somebody spoke out. Il y a tous ceux pour qui tout ça était flou ou même inexistant, qui se rappellent de ce qui a été dit et qui ont un regard différent maintenant sur certaines maladies mentales. Il y a beaucoup de méconnaissances, mais de moins en moins. C'est ça qui est important. Maintenant, je sais que je suis dans la bipolarité, mais tu sais, quand moi, je déprime, avant, je ne pouvais pas accepter. Et là, je me dis, oh, c'est normal d'être déprimé, c'est un passage. With Bellette's talk, I actually learned how to share and the value of sharing the struggle as well. And it's all about connecting to others. It's going to be a while before we get to where we need to be, but that means that it's all the more important that we keep battling. And we keep fighting and we keep talking about the need to talk. Il reste du chemin à faire. Il y en aura toujours. Mais il en reste moins à faire.